Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors si tu me découvres, je m'appelle Denis, je suis photographe, je suis aussi formateur. Et dans sur cette chaîne, j'essaye de t'apporter des astuces, des conseils pour te permettre de progresser dans ta pratique photographique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, alors c'est un complément aux deux précédentes où je t'expliquais comment réussir à se détacher de la technique et notamment de tous ces chiffres qui nous encombrent la tête lorsque l'on va faire nos photos et de passer plus de temps à être créatif dans nos photos, dans nos images. Alors aujourd'hui on va parler de pleine conscience, c'est de la méditation et on va parler photo parce que je crois sincèrement que la pleine conscience va vraiment t'aider dans ta pratique photographique. Alors qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est un moment où tu vas revenir à du calme et tu vas laisser en fait tes pensées venir et s'en aller. Tu vas accueillir aussi des émotions, des ressentis, et lorsque tu vas avoir des pensées qui vont revenir, tu vas essayer de te reconnecter à quelque chose du moment présent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a souvent des moments où on peut te dire que tu n'es pas concentré, que tu ne fais pas attention à ce qu'on te dit. On te pose des questions, mais tu ne sais pas répondre parce que tu n'as pas entendu la moitié de ce que la personne t'a raconté juste avant. Et on te dit que tu as la tête dans les nuages, que tu es dissipé, que tu n'as rien à faire de ce qu'on te raconte, que tu t'en fous. Mais en fait, ce sont des pensées qui viennent dans ta tête. Et alors moi, j'en parle par connaissance de cause parce que ça m'est arrivé énormément de fois et ça m'arrive encore de temps en temps où je suis vraiment, en fait, j'entends la personne parler, mais je ne sais absolument pas de quoi elle parle, je ne fais pas attention, je suis dans ma bulle et je ne fais plus attention à ce qui est à l'extérieur. Et en fait, la pleine conscience va te permettre de revenir dans un état conscient du moment présent. Et donc de ne plus être forcément distrait par les pensées qui te viennent dans la tête. Cet état où tu as les pensées qui viennent et où tu es dans ta bulle et que tu ne fais plus attention à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le RPD. C'est le réseau par défaut. En fait, c'est le cerveau qui est comme ça. Il y a deux zones en fait dans le cerveau qui vont se mettre en route et où on va avoir en fait des pensées intempestives qui vont arriver. Alors ça peut poser problème parce que forcément, comme on l'a vu, tu vas perdre ton attention à l'extérieur. Et puis tu vas aussi avoir des pensées négatives qui vont arriver. Et souvent ça provoque en fait du stress, de l'anxiété, à se poser énormément de questions sur des sujets sur lesquels il n'y a peut-être pas forcément autant de choses à réfléchir ou à se poser comme question. Ça va aussi entraîner, hormis l'attention que tu ne vas plus avoir, c'est que tu vas peut-être être beaucoup plus fatigué, tu vas manquer de sommeil parce que tu ne vas pas réussir à bien dormir, parce que justement tu auras toutes ces pensées qui vont venir. Et donc la pleine conscience te permet de reconditionner en fait ton cerveau et de reprendre cette connexion avec ton corps et avec l'extérieur. Alors moi je voudrais attirer en fait ton attention sur alors bien sûr ça c'est quelque chose que tu vas faire, c'est plus intellectuel en fait que c'est vraiment de la méditation, mais moi en tant que photographe en fait je vais t'inviter à faire la même chose. Donc quand tu vas aller te balader, quand tu vas faire tes sorties,
quand tu vas avoir des pensées qui vont venir, eh bien tu vas essayer de te reconnecter non seulement à toi-même. Donc dans un premier temps, en fait, tu vas te reconcentrer sur, par exemple, ta respiration, sur la posture de ton corps, sur ta marche, pour revenir en fait dans le moment présent et être concentré et avoir en fait toutes ces émotions et ces ressentis que tu peux avoir dans le moment présent. Dans un premier temps, moi je te conseille de passer entre 2 et 5 minutes tous les jours à te mettre en fait dans cet état. Alors bien sûr, en tant que photographe, je vais t'inviter à aller dans la nature, peu importe l'endroit, à partir du moment où tu as un coin de nature où tu peux te rendre et où tu peux être au calme. Alors peu importe que ce soit la campagne, que ce soit dans les champs, que ce soit en forêt, en sous-bois, à la montagne, à la mer, peu importe, le principal c'est que tu sois au calme et que tu puisses te concentrer en fait sur l'extérieur, hein, sur le moment que tu vas vivre et sur l'extérieur, sur ce qui va se passer. Il y a certaines personnes qui poussent un petit peu la chose en se déplaçant et en se mettant en pleine conscience à des heures particulières, alors justement pour essayer de ne pas croiser trop de monde et te faire déconcentrer par les gens qui passent toutes les 5 minutes. Donc tu peux sortir tôt le matin, aller le soir, et puis après bien sûr, dans nos sorties photos, quand on sort quelques heures, eh bien rien ne t'empêche de prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour te mettre en fait dans cet état de calme et te reconnecter en fait à toi-même et à l'extérieur. Alors, ce que je trouve moi très intéressant en fait pour nous photographes, c'est que tu vas te concentrer, alors non seulement comme je t'ai dit tout à l'heure, sur ta respiration, sur tes pas, sur le sol que tu vas, où tu vas marcher, parce que il va y avoir des textures différentes, ça va te permettre de te reconnecter, mais tu vas provoquer une reconnexion aussi à la nature. Tout simplement parce que moi je t'invite à regarder, parce que tu vas utiliser en fait tous tes sens. Et donc la vision, l'ouïe, l'odorat, le toucher aussi, tout ça, ça va te permettre de te reconnecter à la nature et d'observer des choses, mais juste de les observer dans un premier temps. Tu ne te passes pas de questions, tu n'essayes pas de savoir pourquoi, comment, où. C'est juste, là, il y a quelques dizaines de minutes, j'étais à un endroit et j'ai vu un écureuil. Je n'ai pensé à rien du tout, je l'ai juste observé, je l'ai regardé, il est monté dans l'arbre. Alors il était peut-être pas content parce que il a craché, il a fait ses petits bruits, mais en fait c'était juste génial. Et j'ai juste pris en fait ce moment juste pour moi, et ça fait du bien. Et ça, en fait, je ne pensais vraiment à rien et j'ai juste vécu en fait ce moment incroyable avec ce petit écureuil. Alors ça peut te paraître bizarre, mais franchement c'est ça qu'il faut faire, et prendre en fait, écouter le chant des oiseaux au fur et à mesure que tu vas sortir. Alors je te donne aussi tout de suite un petit conseil, c'est que si tu n'as pas l'habitude d'utiliser la pleine conscience, moi je te conseille de sortir les premières fois, de faire une paire de sorties sans ton appareil photo, pour vraiment te concentrer, écouter, entendre, éventuellement toucher les arbres, toucher les feuilles, pour vraiment te mettre en fait dans cette condition de présence. Au bout d'un certain temps, tu pourras reprendre en fait ton appareil photo, mais là où je trouve que c'est vraiment super intéressant, c'est que au fur et à mesure du temps, tu vas découvrir des choses, tu vas observer des oiseaux, tu vas observer des lumières, parce que si tu te déplaces le matin, le soir, si tu fais éventuellement de la pleine conscience en pleine journée, tu vas découvrir des tas de choses. Et quand tu vas sortir pour faire tes photos, tu auras déjà un nouveau regard. Tu vas pouvoir te concentrer vraiment pleinement en fait sur l'extérieur et tu vas forcément améliorer tes images parce que tu sauras déterminer en fait les lumières,
des comportements, tu vas savoir quand déclencher plus facilement, quelles attitudes vont arriver sur certains animaux. Et tout ça, tu l'auras acquis grâce à la pleine conscience. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. En fait, en tous les cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté vers le haut et qui me permet maintenant vraiment d'être présent et de ne plus être, par exemple, ici sur ce chemin et d'avoir des pensées diverses et variées qui m'encombrent l'esprit. Je sais que quand je viens pour faire mes sorties, toutes les pensées qui peuvent venir, elles repartent direct. Alors voilà, tu vois, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de pleine conscience, vraiment te faire une approche un petit peu de pleine conscience et de photo, parce que je crois vraiment que ça peut améliorer tes images. Alors j'espère que tu comprends là où je veux t'emmener. C'est fini pour cette petite vidéo. N'oublie pas que tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Le premier lien en description, eh bien, ce sont mes emails privés que j'envoie actuellement deux fois par mois. Et puis le lien qui est juste en dessous, c'est un petit PDF à télécharger gratuitement pour apprendre à photographier en fait les insectes en vol. Alors moi je te laisse sur cette petite vidéo, je te dis à la prochaine et surtout reste dans le moment présent. Ciao !Cette vidéo, chose que tu n'as pas vue, que je t'ai pas montré, alors peut-être que je vais filmer là parce que je suis sur la route du retour. Donc cette petite vidéo de pleine conscience, eh bien j'ai pu observer en fait, alors il y a pas mal d'oiseaux, ça commence à s'activer sérieusement, c'est juste génial. J'ai vu un petit écureuil que j'ai dérangé, hein, il m'a crié dessus, il m'a soufflé dessus. Alors hier j'étais déjà venu ici parce que j'ai refait ma vidéo parce qu'elle ne me convenait pas et j'ai une petite taupe en fait qui est morte, qui a dû se faire choper, qui est juste là à mes pieds, donc je passe, je la laisse tranquille, paix à son âme. Et puis j'ai découvert en fait aussi des pas mal de traces de chevreuils, par contre je ne les ai pas vues. Je n'en ai pas vu un seul, donc je pense que ça devait être ce matin plutôt où ils sont passés. Et en fait, c'était, ça fait du bien. Ça fait deux fois là que je sors coup sur coup, hier et aujourd'hui. Et franchement, il va falloir vraiment que je ressorte parce que ça fait un moment que je fais que travailler sur mon entreprise et je bâcle un petit peu en fait mes sorties photos. Et finalement, en fait, c'est une très très bonne source d'inspiration et de ressourcement, et va donc falloir que je fasse le maximum pour me remettre en fait ces petites sorties le dimanche. Allez, ciao !